votre nom? Dans mon pays, on m'appelait Jeannette. Lorsque je suis venue en France, on m'appelait Jeanne. Où avez-vous été baptisée? À Domrémy. Quel âge avez-vous? 19 ans, je pense, environ. Quels sont vos parrains et marraines? Jeanne, tu es condamnée. Les Anglais prouveront au peuple qu'aucun roi de France légitime ne peut être porté au sacre par une hérétique. Condamnée, Jeanne, tu abjureras et tu éviteras ainsi la mort. Mais les Anglais insatisfaits auront raison de toi et tu mourras, Jeanne, sur le bûcher. Jeanne, c'est écrit. Jeanne, prépare-toi et prie, Jeanne. 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 Je suis Jeanne. Oui, c'est moi. Fille de Jacques d'Arc, le laboureur, et d'Isabelle Romée. J'ai aussi une sœur et trois frères. Catherine, Jacquemin, Jean et Pierre. Mon destin serait-il tracé? Quelque chose se prépare. Je ne connais point la teneur de ces futures instructions, mais je sais que je vais les accomplir. Je n'ai aucun doute, je le sais, et j'irai jusqu'au bout, puisque mon Seigneur veut que j'agisse ainsi. Jeanne, il faut que tu ailles en France. Il faut que tu boutes les Anglais hors du royaume. Rejoins le Dauphin, libère Orléans, et fais le sacré à Reims. Je veux aller en France, à vos couleurs, à la rencontre du capitaine le sire Robert de Baudricourt. Durant l'Axar, mon cousin, merci de m'accueillir à Burel le Petit. Et pardonnez-moi. Vous qui connaissez tant de gens à vos couleurs, n'y en aurait-il pas un pour me présenter au capitaine de la Châtellenie, le sire Robert de Baudricourt? Faites que je le rencontre. Je dois lui parler afin de rencontrer le dauphin. Même si je sais que c'est peine perdue. Ma voix me l'a dit. Elle retournera à Domrémy. Son père, apprenant qu'elle s'est rendue auprès de Baudricourt, s'inquiétera. N'a-t-il pas vu en rêve sa fille partir avec des soldats? Je dois agir, mon cousin, aidez-moi. Je vous en prie. Trouvez excuse auprès de mon père, car je dois partir. Je dois rejoindre le dauphin, il me reste peu de temps. Jeanne revient à vos couleurs et trouve hospitalité chez le charron Jean le Royer et sa femme Catherine. Les deux femmes se lient d'amitié. Elles se réfugient dans la prière auprès de Notre-Dame dévoute. Jeanne monte au château en toute hâte. Sa violente émotion est telle qu'elle parvient à forcer la porte de Robert de Baudricourt pour se faire entendre. Au nom de Dieu, vous tardez trop à m'envoyer. Car aujourd'hui, le dauphin a eu près d'Orléans. Bien grand dommage. Et sera-t-il encore menacé de l'avoir plus grand si vous ne m'envoyez bientôt vers lui? Jeanne, sois confiante. Toute la ville est avec toi. Les hommes d'armes de la châtellerie te soutiennent. Sois confiante, Jeanne. Jeanne, prépare-toi. Ton départ approche. Je m'en remets à vous. Veillez sur moi, veillez sur mon destin, veillez sur nos âmes, veillez sur la France. Mon Seigneur des cieux, ma mission a commencé. Va, Jeanne, va, et advienne tu pourras. Et vous, mes fidèles gens, soyez hommes de bravoure et de protection. Et vous, messager Collet, portez fidèlement ma parole au dauphin. Va. J'ai su que c'était lui. Ce sont mes voix qui me l'ont montré. Je lui fis part d'un message que lui seul a compris. Et ce message restera à jamais un secret. Gentil dauphin, il ne faut point tarder. Que l'évêque de Reims prépare votre sacre. Que les villes de Troyes et de Reims s'apprêtent à rendre les armes sans combattre, car notre armée est désormais invincible.
suite de mon destin, vous la connaissez. La prison. Mais le piège anglais avait opéré. Je leur donnerai l'occasion de me considérer comme relapse pour n'avoir pas tenu ma parole. Et serai alors envoyé au bûcher. Eh bien, je suis heureuse de savoir que ma mémoire est encore vivante et persiste ici. Cela vous a ému ? Oui. Surprise ? Oui aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous avoir rencontrée. Moi aussi. Alors j'espère à très bientôt. Bonne soirée, Charlotte. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est temps pour moi de vous quitter. Mais je voulais vous dire à tous combien j'ai été émue et touchée de vous rencontrer ce soir. Alors à tous, un grand merci. Et j'espère à très bientôt. Je me pars rejoindre ma douce vallée. Au revoir.